monde, on est jeudi le 13 juin, il est présentement 2h de l'après-midi. C'est ça, ce matin j'ai streamé à 10h, j'étais chercher des boîtes au restaurant où mon chum travaille pour pouvoir commencer à pacter mes choses la semaine prochaine, whatever. Puis j'étais allée au magasin d'informatique pour savoir si mon problème, on pouvait l'arranger. J'entends toujours pas les notifications, guys, c'est vraiment de la merde. Fait qu'on a encore du travail à faire là-dessus. Mais je vais peut-être faire un mini-stream tantôt, peut-être vers comme 15h, à peu près. Astine, à 1h, mais ça marche pas mon affaire. Parce que peut-être en soirée finalement, juste de une demi-heure, juste pour savoir si tout est correct. Puis ben sinon, je suis rendue à 207 followers. Youhou! Puis j'étais à 26 subscribers. Yeah! sur Twitch, fait que c'est super. Puis, oh, sur YouTube, je suis rendue à combien? Je vais vous le dire, je vais vous le dire. Allez, là, j'utilise ma main gauche, là, puis je suis vraiment pas à l'aise, là. Mais je vais vous dire, je suis rendue à comment? Je suis rendue à quand même pas pire, comment? En tout cas, moi, c'est ça qui me fait capoter, là. C'est que YouTube, ça fait énormément de temps que je travaille, fait que tu sais, c'est normal que je sois plus comme capoté. 469. Oh my god! Faut se rendre à 470, tabouin, vite! Oh, allez, on va se rendre à 500 avant la fin de l'année, là. C'est ça, c'est ça, c'est ça! En tout cas, faut être positif. Fait que moi, je suis capote. À 1000, on commence à être payé, tu sais. En bas de 1000, ils peuvent pas t'envoyer l'argent d'accumuler, tu sais. Moi, j'ai pas full d'argent d'accumuler, là. Mais, tu sais, j'ai quand même une mini paye, là. Ce serait pas pire de l'avoir un jour. En tout cas, fait que là, je suis en train de regarder des live Twitch, puis je vais restarter mon OBS. C'est ça que les informaticiens m'ont conseillé de faire. Puis là, je suis en train de communiquer avec quelqu'un qui s'occupe de la MRC de Rivière-du-Loup, etc. Pour pouvoir avoir ma plateforme, pour savoir que pour que les gens peuvent me communiquer plus facilement quand ils veulent avoir un contrat avec moi. En tout cas. Fait que je vous en parle plus tard, guys! Donc, voici ma meal prep. J'en ai fait deux. Donc, un pour demain. Et un pour... Présentement, 10h30 soir, je suis en train de restart mon ordi, puis j'ai supprimé OBS. Puis là, je vais essayer de recommencer à neuf. On va bien voir si ça va fonctionner. Fait que ça va pas. Mais priez pour moi, guys, s'il vous plaît. Dès qu'il est 11h30, je viens encore d'essayer de faire deux tests, puis j'ai essayé de nouvelles choses. J'ai restarté mon OBS complètement à neuf. Aucune chose fonctionne. Fait que je pense que c'est le software qui ne fonctionne pas avec mon Mac. Donc demain, je vais essayer un autre software. Fait qu'on va voir. Puis ben, il va falloir peut-être que je paye un software. Je vais être la seule dans le monde à payer, là, mais si tu veux qu'on fasse. C'est ça. Salut tout le monde, on est présentement samedi le 15 juin. Il est 3h20 de l'après-midi. Je pense que vous pouvez voir dans mon visage que on dirait que j'ai pas assez dormi. Puis je trouve que je suis fatiguée aussi. En ce moment, je suis en train de... faire bouillir de l'eau, c'est pas bien long. Je vais juste mettre mes edamame dans l'eau sans essayer de me brûler. Ok, c'est good, je pense. Puis sinon, c'est ça, hier, on a encore essayé de faire marcher mes notifications Twitch. Aucun... ça a donné rien, dans le fond, ça a pas encore fonctionné. Là, j'ai un rendez-vous ce lundi. Il va y avoir un informaticien qui va essayer de faire fonctionner mes notifications. Parce que comme vous le savez, ça fait vraiment longtemps que ça dure, là, mon problème, je dirais. Là. Fait que je suis un petit peu tannée de ça. Fait que j'ai hâte que ça se règle, puis je sais pas qu'est-ce qu'il va me dire. Puis j'espère qu'il va gosser dans les paramètres, puis il y a quelque chose qui va débloquer. Là. Parce que moi, j'ai tout essayé, puis il y a rien qui fonctionne. C'est de la merde! Fait que c'est ça. Donc, ce que je vais faire, mon chum fait griller des légumes sur le charcoal. Puis moi, je vais faire un macaroni pour mes lunchs. Parce que là, je vais manger de bonne heure ce soir, genre 4h30. Parce que honnêtement, je suis brûlée. Donc, je comptais souper tôt et travailler dans mes affaires toute la soirée. Genre, à 9h, je serais supposée avoir tout fini. Là. Je vais travailler sur ma song list. Puis c'est vraiment long parce qu'il faut que tu joues les accords pour savoir, ah, c'est correct. Faut que tu chantes un peu pour savoir, c'est correct. C'est beaucoup de tétage. Moi, je trouve ça très très long. C'est la partie que j'aime la moins quand t'es un musicien et que tu as ce travail à faire. Sinon, j'ai des emails à répondre parce qu'on m'a invité à chanter dans une petite ville proche de chez moi, dans le fond, qui s'appelle Cabana. Je vais vous en reparler, guys, parce que je vais cuisiner. Ah oui, puis on va faire des boîtes. Ben moi, je vais commencer des boîtes tout à l'heure. Fait que, ouais, on commence à pacter des choses. Fait que je vais sûrement commencer par les cadres. Fait que c'est quand même une étape assez plate à faire, mais je pense que c'est l'étape qu'il faut faire vu qu'on déménage techniquement vraiment dans... comment je pourrais expliquer ça? Dans 2 semaines.
On est là. Ouais, ça, c'est dans deux semaines pile. Fait qu'il faut absolument qu'on. Qu'on ait le plus de choses de séries possible. Puis sinon, ben, c'est ça. Je vais essayer de vous filmer peut-être durant la soirée, moi qui est en train d'emballer mes boîtes. Ça va être super fun. Puis sinon, ben, je suis en train de regarder sur Twitch Mermaid Unicorn. Je trippe dessus. C'est ma préférée avec Autopilot. Chez Autopilot. Fait que je vais vous la montrer. Donc c'est d'elle que je vous parle. Puis j'ai colissement rien de fait. Oh fuck, ma tête elle vient de lâcher. C'est ça, avoir trop de cheveux. Il fait fucking noir dehors. Puis on dirait que ça me dématise. Là, j'ai fait mes lunchs pour deux jours au travail. La vaisselle. Pas mal ça. Mon souper aussi que j'ai mangé tantôt. Puis là, ben, je vais aller sur Streamer Songlist. Je vais aller rentrer mes chansons. Puis sinon. Ensuite, j'ai pas fait de boîte finalement. J'ai même pas envoyé l'email au monsieur la contre-offre. Fait que je regarde les boîtes et je suis découragée. Fait que je vais aller dans le studio, continuer à travailler. Ah non, juste avant, je vais serrer les deux paniers de linge que je retarde depuis deux jours parce que j'ai la tête ailleurs parce que j'ai d'autres choses à faire. Fait que je vais aller faire ça puis je vais m'en refaire une autre. Guys, on est présentement dimanche le 16 juin, il est présentement 18h30, j'ai une grosse journée au travail, sérieusement, j'ai fini de travailler, j'ai commencé à 8h30 puis j'ai terminé, il était 2h30, mais ça c'est une grosse journée parce que moi je suis pas payée à l'heure, fait que c'était vraiment une grosse journée. Je suis chez mes parents, donc c'est ça le petit décor que vous voyez, et ça c'est un garage, et ça c'est moi, dans un truc fermé parce qu'il y a plein de mouches, puis je voulais vous dire que j'ai pas travaillé de la musique cette semaine. J'ai pas la tête à ça. Ah, j'ai pas la tête à la musique. Parce que la musique, ça demande beaucoup, beaucoup de concentration. Puis quand je suis vraiment fatiguée, ma concentration, je la perds complètement. Puis j'ai juste le goût de foirer, comme on dirait, d'être sur Internet à regarder des vidéos, des vlogs, surtout parce que j'adore les vlogs. Mais j'ai pas le goût nécessairement de faire de la musique. C'est sûrement normal. Parce que je sais que cet été, j'ai plein de projets, mais je sais pas par où commencer, fait qu'on dirait que c'est là que ça bug. Je déménage dans deux semaines, puis ça me stresse un petit peu, je vous dirais. Parce qu'à travers le déménagement, il va y avoir le festival d'été de Québec. Il va y avoir mon travail, le travail à mon chum, le travail sur ma musique, les spectacles en vue. Fait que tu sais, genre, ça m'en fait full. Fait que je pense que c'est pour ça que, genre, mon cerveau, il est jamais off, là. Mais je suis comme dans un mode un peu plus comme engourdi, qui veut dire que je suis comme pas sûre où mettre vraiment mes efforts. Mais quand je vais être capable de savoir où, ben tout va bien aller. Puis si vous voulez savoir, je suis toujours à la recherche d'une coach avec la formation, en fait, qui est certifiée Estil pour pouvoir m'aider avec une bonne condition vocale tout le temps, qui veut dire avoir une bonne technique. Pour pas que je retombe où j'ai déjà été, parce que moi j'ai besoin de quelqu'un qui me rappelle quand que genre ça va pas bien, t'sais. Quand je suis extrêmement fatiguée, quand j'attrape un rhume ou whatever, que j'ai beaucoup de stress, je retombe dans un pattern qui est vraiment pas bon, dans le sens qui est comme j'oublie un peu comment utiliser ma bonne technique, parce que je ne suis pas une prodige de la musique, je suis quelqu'un qui travaille fort pour avoir ce que j'ai. Fait que c'est pas quelque chose qui est comme inné chez moi. Fait que j'ai besoin de quelqu'un qui va me soutenir. Comme quelqu'un qui a, je sais pas moi, quelqu'un qui a un coach. Parce que s'il veut s'entraîner, mais tu comprends, il y a encore un coach quand même. Fait que c'est ça. Puis demain, il faut que j'aille porter mon ordinateur dans un magasin. Fait que j'ai hâte de vous en donner des nouvelles pour savoir s'il va réussir à faire marcher mes notifications. Mais on va s'en donner des news de ça. Puis peut-être que j'aurai pas mon ordinateur demain pour faire ce que j'avais à faire, qui est éditer ce vlog. Mais en tout cas, c'est pas grave. On va se reparler bientôt. Bon appétito! Chicken! Let's
Some I don't fucking know. And c'est quoi sur la viande? Bavette. Bœuf? Bœuf. Ah, je te dis bœuf. Ici au menu, nous avons un petit chien noir et nous avons une petite pastelade. Bavette de bœuf. Yeah. Il va y avoir un nouveau cover en ligne sur ma chaîne dans 15 minutes. Je voulais juste pas vous le dire parce que je suis en train de souper et que j'ai une finale de montage et tout et tout. Fait que 15 minutes en ligne. Donc à 7h15. Somebody to heal, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess 3h35, j'arrive de la bibliothèque. Il est du Dr. Phone. Je suis allée chercher mon ordinateur finalement. Ils n'ont pas pu rien faire avec mon ordinateur. Fait que je suis dans merde. Mais c'est pas grave. J'ai d'autres options. Fait qu'on va essayer ça. Sinon, qu'est-ce que je le faisais? Non! C'est où j'arrive? Ah oui, c'est ça, je suis allée scanner un document parce que je vais chanter à un événement très très nice le 8 août. Mais j'ai pas eu le droit de vous le dire tout de suite. Ben, je pourrais, mais j'ai pas fait d'annonce officielle. Fait que vous allez attendre comme tout le monde, ok? Fait que c'est capoté. Puis sinon, ben là, je vais cuisiner à mon chum live parce que lui a des cours de moto ce soir. Fait que faut qu'il mange tôt. Fait que je vais manger tôt avec lui, je m'en fous là. Fait que on va cuisiner, je pense, un nachos parce que c'est rapido. Puis que je sais qu'il aimait ça. Puis après ça, ben, moi, je vais pouvoir éditer ce vlog si ce soir. Aller faire des tests peut-être sur Twitch encore. Puis bien, I will be good to go, you know? Fait que je cuisine un nachos dans mon chum. Puis, ben c'est ça, je voulais vous dire que je vais conclure le vlog ici. Alors, je vous laisse, gars, j'espère que vous avez apprécié ce vlog. N'oubliez pas de donner un like et de vous abonner à ma chaîne qui va être juste en bas ici. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde! Dis bye, Burn! T'es où? T'es où? Oh, il est là, le poussino. Bye!